Éphésiens chapitre 3, verset. Ah. 14, 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Ici, nous connaissons le bon Dieu a fini créer toute bagaille, les créer ciel, terre, toute bagaille, ça y est. Et nous, clair pour nous, elle est arrivée dans Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, on nous fait l'homme avec image, nous. Et nous connaissons que création sont création ex nihilo et ex nihilo, qui voulait dire, bon Dieu seulement parler, et tout bagaille est venu à l'existence. Ça veut dire que pas de rien qui t'a existé avant. Bon Dieu parler, et bagaille est venu à l'existence. Mais il marchait toujours. Il criait, nous gardait tout spectacle qui est dans l'univers. Mais là, il vient dans verset 26, là, 27, 28. Bon Dieu, pas parler. Bon Dieu, mettez mail. Bon Dieu, mettez mail. Et c'est là nous parlons de la procréation. Bon Dieu vient avec programme pour nous exister. Mais qu'on y a, il pas pour le créer chaque jour encore. Il pas pour le créer chaque jour. Mais il bail l'homme possibilité à travers la famille. Pour l'humanité capable vraiment établie sur la terre. Bon Dieu fonder la famille. Bon Dieu créer la famille. Et c'est ça que la famille, c'est sacré. La famille, c'est fondamental. La famille, c'est très important. Et nous sommes capables, ouais, c'est tellement important pour bon Dieu fonder famille Israël en tribu, en famille. Parce que toute société, pral gen forme, pral gen base, et jan famille. Donc, nous sommes capables de dire, telle famille, telle société. Et nous sommes capables de voir à travers l'histoire, le pays a une famille qui est solide, une famille qui a marché, famille qui est normale, ou une société qui est bien structurée, qui est bien normale. Well, qui est bien normale. Mais si la famille est en décadence, ou pas gagner une société. Ou pas gagner une société qui est normale. Et c'est ça que fait nous, ouais, par exemple, bon, ici, nous capables de commencer par une illustration ça. Dans un temps, nous avons une histoire aux États-Unis, côté que, en général, famille était comptée sous affaire, mon Dieu. Dans l'école, et où tu as une Bible qui lit, famille était vraiment by gros importance. Même là, il y a une culture qui était, la culture occidentale, tout pays qui était by Bible là, importance, c'était ouais, famille longtemps. Et je t'ai expliqué, moi, et ici aux États-Unis, longtemps, là, par exemple, une jeune fille soit arrivée en Sainte-Barbe, c'était gros, tête chargée. Et au capable, ouais, année passée, ou après, tu as une société, côté que Timoun, tu es plus respecté, moun, ou tu as vraiment société à qui tu es vraiment plus respecté la vie, et où elle en Haïti partout. Mais l'ordre, famille qui commence à se dégrader, et bien société a pourri dans nous. Et là, nous prenons exemple dans le pays d'Haïti, nous comprenons ça qui a passé. Puisque ou vingé, ça crée une décadence de la famille, ou vingé délinquant juvénile, côté que les parents sont démissionnés. Ouais. Parents démissionnés, ou vingé Haïti vingé bon ça, côté pour un paquet de monde qui fait en désordre, en dehors de la famille. Qui pa gen un papa, qui pa gen vraiment maman qui a mette contrôle sou yo, ou vin gen un quantité bagay, vin gen ti moun ki la gen nan gang, et ki sa nou vin gen comme vraiment pays, mais ki sa nou vin gen comme peuple. Eh bien, ça qui arrive que nous nan famille sa yo, la vie nous, l'écrasé. Ça qui arrive, nous te prenons échec dans ce type de famille sa yo, que nous gagnons dans la société. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous gagnons une famille nouvelle. La nouvelle famille qui c'est la famille de Dieu. La famille de Dieu qui, en général, qui c'est un petit bon Dieu,
dans toute génération, c'est-à-dire la génération passée, la génération présente et la génération future. Ouais, bon Dieu, c'est l'aile palais, bon Dieu, toute famille dans les cieux. Donc, quel était le monde qui était passé, yo? Quel était le monde qui était passé, yo? Bon Dieu, grande famille. Et qui gens sont capables d'intégrer la famille de Dieu? Qui gens sont capables d'intégrer la famille de Dieu? Certes, en général, nous connaissons que bon Dieu crée tous les hommes, bon Dieu crée tous les hommes, et nous sommes dans acte 17, à partir de verset 24, 25, 26, 27, 28, côté que nous sommes, bon Dieu, c'est vraiment, nous c'est la race de Dieu. Nous sommes la race de Dieu, c'est-à-dire, d'une manière générale, tous les hommes descendent de Dieu. Donc, Dieu est le Père de tous les hommes. Mais sans ça, ils sont sans générique, ils sont sans général, qui pas bail moun accès, tout le monde accès à la vie éternelle. C'est comme si, dans l'univers, bon Dieu bail soleil, l'île, bail la lune, il bail de l'eau pour tout le monde capable de joindre. Ça, c'est la grâce commune de Dieu en théologie. C'est la grâce commune de Dieu. Tout le monde jouit ça parce que bon Dieu, c'est papa création, c'est père. Dieu se révèle en tant que père de la création, le créateur unique, le père de tous les hommes. Mais pour un monde capable de vraiment faire partie de cette famille spirituelle, et c'est ça que Jésus-Christ a parlé avec Nicodème. Nicodème, c'est juif. Nicodème connaît la loi. Nicodème, son docteur de la loi. Mais dans un compte avec Jésus-Christ, Jésus t'a parlé d'un bagage qui est tout à fait nouvelle. Et c'est là que Christ t'a parlé, Nicodème. Il t'a dit, Nicodème, oui. À toute question, Nicodème t'a posé. Normalement, si met là, si bon Dieu pas avait ou pas qu'à faire miracle ça, mais Jésus t'a parlé de un bagage qui est extraordinaire. Jésus t'a commencé à parler de la nouvelle naissance, de la nouvelle création. Eh bien, Nicodème t'a eu un problème avec ça. Nicodème t'a loin de cette réalité côté que lui dit, eh bien, qui Jean, un homme qui aime qui grand monde t'a capable fait pour guetta fait pour retourner dans vent maman là encore c'est pas possible. Eh bien Jésus dit où c'est gros docteur Israël pour pas connaître causer ça pour pas connaître gros réalité ça. Eh bien lorsque nous vinn accepter la réalité, lorsque nous vinn accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et maître, parce que tout le monde fait tout condamné pour péché et c'est ça la parole l'a dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Donc, nous pas faits avec cette nature spirituelle. Nous pas faits en tant qu'enfant spirituel de Dieu. Ouais, nous pas vraiment nés pour sauver. Et c'est ça que fait, nous besoin qu'on ait un petit monde qui fait dans la famille chrétienne. Et pour capable expliquer ou bien le plan du salut, le processus de la nouvelle naissance, de la recréation des choses. Côté que en pile ti moun en Haïti partout qu'on est depuis au fait nos familles chrétiennes automatiquement ils ont tout sauvé. Non. Non. Ils n'ont pas tout sauvé parce que tout le monde a besoin passer par la voie normale, a besoin pour faire confession personnelle là que nous jouons dans Romains chapitre 10 verset 9, 10, rivé plus bas pour dire il y a un monde qui confesse si tu confesses de ta bouche. Ouais. Si tu confesses de ta bouche, limiter accent sur le tu, la personnalité, qui va nous le saluer personnel, que Jésus-Christ et que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien, tu seras sauvé. Et lorsque le monde mette confiance, Jean lui dit, dans Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, où vient vraiment cette relation? Que nous joignons dans Jean 17, verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, à travers le Christ, nous venons s'appeler une relation éternelle avec Dieu, une relation père et fils. Et c'est ça que fait nous venir. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Ouais, nous sommes membres de la famille de Dieu, nous sommes transformés à l'image du Fils de Dieu, et bien nous venons une relation avec bon Dieu. Et là, je vais parler de relation avec bon Dieu. Cette relation est éternelle. Cette relation a été établie à la croix, sur la base du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et cette relation
stable, li permanente, éternelle, li intacte, li intrinsèque, li inchangé, cette relation. Et nous besoin qu'on est que en tant que petit bon Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, gagne relation, gagne communion. Gagne relation, gagne communion. Relation nous avec bon Dieu, c'est bagage qui fait sur le sacrifice de la croix lorsque nous mettons confiance en Christ, et bien ça, il n'y a pas qu'à changer. Cependant, et cette relation divine va nous s'appeler la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est ça qui vient mettre nous dans la lutte de la vie chrétienne. C'est communion nous qui est capable d'un problème avec bon Dieu. Lorsque nous péchons, lorsque nous faisons des choses qui pas dans la volonté bon Dieu, et bien nous besoin retourner en tant que petit bon Dieu pour nous demander pardon, pour nous confesser comme parole l'a dit dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 9, pour nous demander bon Dieu pardon. Et il dit ça dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Jésus-Christ, c'est victime expiatoire pour pécher nous, non seulement pour pécher nous, mais pécher pour pécher le monde entier, du monde entier. Ouais. Donc, ça, qu'on a une petite confusion, même dans la religion, côté qu'il y a un pile de monde qui qu'on mette dans la tête, il a fait effort pour yo venir saint, il a fait effort pour yo sauver, il a bataille pour yo sauver. Non. Là, nous, petit bon Dieu, parole bon Dieu dit, là, nous mettons confiance nous, dans Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, nous vivons petit bon Dieu. Nous vivons petit bon Dieu, nous avons la vie éternelle. C'est pas nous aurons la vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Kounia, tout ça processus, nous pouvons faire progrès dans la sainteté ou ça on le hagios en grec là, qui c'est la sainteté ou bien la sanctification. Étant donné que nous avons cette relation en Jésus-Christ qui bat nos positions initiales là, qui fait nous une petite bon Dieu à travers le sang de Christ, eh bien, ça vient par conséquence la sainteté. Ça vient par la conséquence la communion avec Dieu pour nous marcher dans cette communion, pour nous faire effort dans cette communion. Mais ce n'est pas pour nous sauver, de telle sorte que nous faisons effort parce que nous sauver, mais nous pas faire effort pour nous le sauver. Well, nous fait effort, par exemple, nous chanter m'a plité pour mal canarin, m'a plité pour mal canarin. Il n'est pas bon pour me dire m'a plité pour mal canarin, m'a plité parce que m'bral canarin. Parce que si c'est moi qui a mené tête, moi canarin, m'a pas brisé. C'est bon Dieu qui m'était dans mel pour m'a pas brisé canarin. Eh bien, amis, frères et sœurs, en plus, nous sommes capables parfois de comprendre nos gains, nos tristes. Parce que nous peut-être pas petit yon moun qui était millionnaire, nous pas petit yon moun qui était grand nègre, nous pas petit monsieur ceci x y, mais qui t'aime Dieu à travers le sang de Christ. Nous c'est petit bon Dieu. Nous c'est enfant de Dieu. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui possède toutes choses, celui qui a tout créé, même le notamment famille humaine, yo pa ta comprendre nous, yo pa ta vraiment ba nos valeurs. Et moun k'ap tande peut-être ki te pa gen un papa ki pa gen expérience pour te vivre avec un papa et une maman, eh bien, gen un papa qui prêt, qui disponible pour recevoir. Gen un papa qui prêt pour li faire route avec ou. Gen un papa qui prêt pour le tande cri ou. Pour li accepter ou. Pour lui marcher avec vous, pour lui ba pour lui soutenir dans tout ça ou capable trouver pour lui bénir pour lui marcher avec vous. Et c'est plus gros bagaille là nous gain papa ça qui c'est l'éternel. Si on papa cap veiller sur nous là nous abdormi là nous dans travail tout côté nouyé parce que papa ça il pas kabicha papa ça il pas dormi quel que soit côté nouyé dans avion nous dans bâtiment. Nous sommes, quel que soit côté, le Seigneur est avec nous. Et nous sommes capables de comprendre ça, ça veut dire le Père. Oui, la famille de Dieu. La famille de Dieu, la famille de Dieu. Et qui ça qui vient vraiment tout sens à cette famille. Et pour nous, encore, c'est très important, nous-mêmes qui sommes dans la famille humaine, pour nous capables en tant que Père. Parce que qui ça n'a fait, je veux dire. Non seulement à imiter ce Père éternel, non seulement à imiter
ce vrai père pour nous capables de bailler le son, le sens à notre famille. Et qui père, qui type de père bon Dieu est pour nous? Un père de compassion, un père de miséricorde. Eh bien, qui qualité papa que nous-mêmes nous besoin, et qui qualité maman nous besoin. Et un papa de miséricorde, un papa de compassion, un maman de miséricorde, un maman de compassion. Frère Max Fermio, c'est bagaille qui est plus important, qui est plus bon. Non seulement, bon Dieu, fait nous dans la famille par là, mais nous capables de gagner la famille sur la terre. Et comme implication, en tant que chrétien et chrétienne, nous avons besoin de force à la famille. Nous avons besoin de quitter la famille, de rester sous parole, bon Dieu. Et nous avons regardé un bagage sur Facebook hier soir, qui était très important. Côté que, puis bon richesse, puis bon richesse nous capable de bailler, petit nous dans la famille. Dans la famille, c'est richesse d'évangile. C'est vrai qui gratis chéri. Ça dit que Dieu nous a tellement montré qu'il vous a. Mais on connaît ces bagailles, les hommes plus négligés. Alors que c'est encore mieux si nous vraiment copier sur cette famille spirituelle. Et c'est la famille de Dieu que la parole est là. Et nous-mêmes, pour nous capables de fortifier la famille, nous, pour nous capables de gagner une société qui vraiment marche dans le sens spirituel, dans le progrès social, dans le progrès moral et dans toute façon. Et béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Si nous pas ta vraiment te gen chance pour nous te gen un bon papa, un bon maman et côté que moun te ba nou tout un cadeau nécessaire, mais jodi a ou même avec moi, nous fait partie de la plus grande famille, de la famille éternelle, la famille de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.